Attention, mesdames et messieurs, et vous aussi, les enfants. Aujourd'hui est un grand jour, que dis-je, un jour exceptionnel. Ce soir, nous fêtons Noël. Quelle joie de savoir que Jésus vient habiter en nous. Oui, en ce Noël 2020, Marie et Joseph n'ont pas trouvé une étable pour offrir Jésus au monde. Mais ils ont trouvé la crèche de notre cœur. Et étant donné que cette année, nous ne sommes pas surchargés et stressés pour organiser tous les préparatifs de cette fête comme d'habitude, peut-être que cela nous permettra d'offrir une plus grande place pour accueillir Jésus chez nous. Alors en ce soir de Noël, que le Seigneur soit avec chacun de nous. C'est ce que nous pouvons nous souhaiter de meilleur. Nous allons vivre cette veillée tous ensemble autour d'un conte. Alors, asseyez-vous confortablement et écoutez bien cette histoire. C'est l'histoire d'Antoine. Il en était sûr, Antoine. Il l'avait vu, cette lueur. C'était comme une lueur de joie, un grand feu de fête. Les autres ne voulaient pas le croire, mais lui, il le savait, il n'avait pas rêvé. Pourtant, on disait souvent de lui qu'il était un rêveur. Et c'est vrai que quand les autres enfants du village allaient jouer, lui, il préférait monter sur la colline. Il s'asseyait sur un rocher et il voyait tout le village. Il y voyait la vie de tous les jours. Il y voyait le boulanger qui faisait sa tournée, le vieux cordonnier dans sa boutique et l'épicière avec ses légumes de saison et puis le père Henri qui ramasse le bois. Il en voyait des gens, Antoine. Oh, ça oui. Mais ce qu'il voyait surtout, c'est que tous ces gens-là ne se parlaient plus. Ou alors, ce n'était que pour se dire des méchancetés. Tu n'es qu'un voleur. On ne peut pas avoir confiance en toi. Ton pain est de mauvaise qualité. Si j'en prends, c'est vraiment que je suis obligée. Tu n'es même pas né ici et tu voudrais nous faire la leçon ? Ah, ce que tu peux être stupide ! Tu n'as rien dans la tête ! On ne sait plus vraiment comment c'est arrivé. Mais dans le village, il n'y avait plus que des gens divisés, pleins de colère et de haine. Plus personne ne s'aimait. Sur son rocher, en haut de la colline, Antoine regardait, et souvent, il pleurait. Oh, c'est trop dur de voir un village se haïr comme ça. C'était bientôt Noël. Antoine se demandait comment il serait possible de vivre Noël dans ce village de haine. Pour lui, Noël, ce n'est que l'amour et la paix. Pour lui, Noël, c'est quand les gens s'entendent, qu'ils se pardonnent, qu'ils sont vraiment fraternels. C'est quelqu'un qui nous conduit plus longtemps qu'une cour.
chante notre vie. Cherche ton étoile dans le ciel de l'avenir, dans le ciel de l'avenir. Cherche ton étoile. Dieu fait signe de partir, Dieu fait signe de partir. Il avait le cœur lourd, Antoine. Mais depuis ce matin, il se sentait plus léger. Il avait vu cette lueur qui semblait venir de l'église du village, et elle transperçait la nuit. Alors, bien que les autres ne voulaient pas le croire, lui avait décidé d'aller vers l'église et d'aller voir cela de plus près. Mais voilà qu'à mi-chemin, il vit la lueur à nouveau. Antoine s'aperçut qu'elle formait comme une lettre. Hé, cordonnier, tu la vois, la lueur ? Oui, je la vois. Tu avais raison. Tu as vu ? Elle forme la lettre E. C'est vrai, c'est un E. Un E comme espoir ou espérance. Je ne sais pas ce qu'est cette lueur, mais elle redonne de l'espoir pour notre village. Une lueur qui donne l'espoir. Ça me rappelle ce qui est arrivé au peuple de Dieu. Écoute ça. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as multiplié leur allégresse. Tu as fait éclater leur joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on jubile au partage du butin. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, on lui donne ce nom, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. Tu vois, Antoine, de tout temps, les hommes ont connu des périodes difficiles. Aujourd'hui, c'est pareil. Il y a des moments où tout va bien, où notre vie est heureuse, où l'on est en amitié avec tous. Et puis, il y a des moments plus difficiles, où l'on en veut à tous, où la vie perd son goût, où l'on désespère de soi et des autres. Moi, en ce moment, je désespère un peu pour notre village. Il n'y a plus aucune joie, plus moyen de s'entendre. On a l'impression qu'on a tous peur les uns des autres.
Oh, je sais. Et moi, le premier, je m'irrite contre tout le monde. C'est vrai que j'ai peur d'eux. J'ai peur qu'ils me dérangent. J'ai peur qu'ils abîment mon travail de cordonnier. J'ai peur d'eux parce qu'ils sont différents de moi. J'ai peur. Mais maintenant que je vois cette lueur, je me dis que rien n'est sans espoir. Allez, viens, cordonnier. Courons jusqu'au village, allons voir cette lumière de plus près. Et c'est comme cela qu'Antoine continue à avancer vers la lueur. Lui qui, la veille encore, pleurait de désespoir, voilà qu'il commence à retrouver la joie. Cette lueur, dont il ne savait encore ce qu'elle était, avait déjà produit du fruit. Antoine n'était plus seul à souffrir de l'attitude des villageois. Le cordonnier, visiblement, avait compris qu'il n'est pas bon de s'enfermer dans la haine et dans la peur. Alors, tous deux, ils couraient pour descendre la colline, pour aller voir. Une grande espérance les animait. Et si cette lumière pouvait changer leur vie? Mais voilà que tout à coup, Antoine s'écria. Hé, regarde, cordonnier, la lueur se transforme. Elle forme une nouvelle lettre. Ah, ma foi, mais tu as raison. Mais qu'est-ce que c'est comme lettre? On dirait un I. Oui, c'est un I. Qu'est-ce que cela peut-il bien dire? Peut-être cela veut-il dire qu'il est temps de bâtir la paix. Antoine, tout à l'heure, le « e » nous a fait penser à l'espoir. À quoi te fait penser le « i » ? Le « i », ce pourrait être invitation. Mais pourquoi invitation ? Oh, je sais ! Au début, j'étais tout seul et cela me rendait triste. Maintenant, nous sommes deux et c'est déjà beaucoup mieux. Alors peut-être qu'il faudrait qu'on invite d'autres personnes pour aller avec nous ? Inviter d'autres personnes ? Oui, mais qui ? Tu as envie d'inviter des gens qui te traitent de rêveur, toi ? Moi, je n'ai aucune envie d'inviter des gens qui me traitent de voleur et qui me lancent à la figure qu'ils n'ont aucune confiance en moi. Ah, ça, non ! Moi, je n'invite personne. Regarde la lueur, elle pâlit. On ne la voit presque plus. Oh non, c'est trop triste. Elle était si belle. Cordonnier, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas qu'elle disparaisse. C'est quand tu t'es mis en colère qu'elle a commencé à pâlir. En fait, si l'espoir se perd dans notre monde, c'est peut-être à cause de notre attitude. Tu crois que c'est facile de se réconcilier avec ceux qui nous ont fait du mal? Tu crois que c'est facile de retrouver la confiance envers les autres? Eh bien non, ce n'est pas facile. Tu as raison. C'est difficile pour moi aussi. Et je crois que tout seul, je ne vais pas pouvoir. Mais cette lueur, est-ce qu'elle n'est pas là pour nous aider? Pour nous aider? Je crois que tu n'as pas tort. Je me souviens que saint Paul avait écrit une lettre dans laquelle il rappelle que Dieu nous a donné sa force pour nous aider à rejeter le mal. Écoute ce texte. Oui, la grâce de Dieu s'est montrée, libératrice pour tous les hommes, elle nous corrige pour nous faire rejeter le mal, abandonner la jalousie de ce monde, pour nous faire vivre avec modération et justice,
et attendre l'espoir joyeux que se montre le rayonnement de notre Dieu, de notre libérateur Jésus-Christ. Tu as vu, cordonnier ? Dès que tu as parlé de rejeter le mal, la lueur s'est remise à briller. Allez, viens ! Il y a le boulanger et l'épicière là-bas. Allons les inviter à venir avec nous. Et c'est ainsi que de deux, ils passèrent à quatre. Le boulanger et l'épicière l'avaient vu aussi, cette lueur. Eux aussi avaient senti un espoir naître dans leur cœur. Eux aussi avaient compris que cet espoir mourrait s'ils ne faisaient pas l'effort d'aller vers les autres. Comment ont-ils trouvé la force de faire le pas ? Ils ne le savent pas eux-mêmes. Ils ont quand même compris que cette lueur ne brillait pas que sur l'Église, mais qu'elle était venue briller sur eux et qu'elle leur réchauffait le cœur. C'est elle qui leur a donné la force. Regardez, les amis, elle brille de plus en plus. Comme elle est belle. Et maintenant, elle forme une nouvelle lettre. C'est un O. À quoi ça fait penser, un O ? Moi, ça me fait penser à offrir. À offrir ? Tu crois que nous avons quelque chose à offrir ? Nous nous approchons de l'Église. Regardez cette belle lueur. Elle ne brille pas sur l'Église, mais dans l'Église. Cette lueur, elle est bien venue nous rendre l'espoir, non ? Et en nous réconciliant, elle nous a sauvés. Cette lueur, c'est le Messie, c'est Jésus. Et le plus beau des cadeaux qu'on puisse faire à Jésus, c'est d'arrêter nos disputes et nos guerres. C'est de retrouver la confiance entre nous. C'est de savoir être solidaire et fraternel. C'est Jésus, tu as raison. Regarde la lueur, elle est de plus en plus vive. Et maintenant, oh, regarde, elle forme la lettre J, J comme Jésus. Il paraît que à Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur des bienfaits de Dieu, c'est le don de sa paix, le don de sa lumière. Il avait vu la lueur, Antoine, et il a su faire confiance. Et grâce à cette confiance, la lueur a brillé et a porté son fruit. Le père Henri a rejoint les quatre autres. Il les a invités à venir se chauffer autour de son feu de bois. Mais avant, tous ensemble, ils sont rentrés dans l'église. Et là, ils ont vu que la lueur venait de la crèche et qu'elle éclairait tous les visages. Alors le cordonnier, qui décidément connaît toute la Bible, leur a raconté l'histoire de la naissance de Jésus.
cette époque, César Auguste promulgua un édit ordonnant le recensement de tout le pays. Tous se faisaient recenser, chacun dans sa ville natale. Pour cela, Joseph était monté de la ville de Nazareth jusqu'en Judée, à Bethléem, la ville de David, étant de la famille de David, en compagnie de Marie, sa fiancée, enceinte. Des jours passèrent. Arriva le moment de la mise au monde. Elle donna naissance à son fils Jésus. Elle l'emmaillota et le coucha à l'abri d'une étable dans une mangeoire, car il n'y avait plus de place pour eux dans l'auberge. Près de là, des bergers passaient la nuit dehors à veiller sur leurs troupeaux. Un ange du Seigneur vint près d'eux. Il leur dit : N'ayez pas peur. Je vous annonce pour tout le peuple une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est Jésus le Seigneur. Voici quel est le signe pour vous. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une étable. Soudain, tous les anges du ciel se mirent à louer Dieu. Lorsque les messagers furent repartis vers le ciel, les bergers se concertèrent. « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ces choses que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent et trouvèrent Marie, Joseph et l'enfant couché dans l'étable. Voilà la fin de ce conte. Et nous espérons que vous aussi, vous avez maintenant tous le visage éclairé de la lumière qui émane de la crèche. Vous avez tous deviné quel mot s'est inscrit en lettres de lumière ? Oui, c'est le mot « joie ».
plus nous laisserons de la place à Jésus dans notre vie de tous les jours, plus nous rayonnerons de sa joie et de sa paix. C'est un cadeau extraordinaire que Dieu vient déposer dans nos mains, son amour. Et ce cadeau, nous ne pouvons pas le garder pour nous. Plus nous le partagerons avec ceux qui nous entourent, plus la lumière qui rayonnera se répandra avec force. Et en ces temps difficiles, c'est cette espérance en l'amour de Dieu que nous devons absolument transmettre. Nous devons être des messagers de joie, de paix et d'amour. Alors, comme tous ceux qui se sont rendus à la crèche pour voir Jésus, nous en reviendrons tout émus et comblés de la grâce de Noël. Pour la joie de Noël, merci Seigneur. Pour nous tous, pour la fête dans nos cœurs, merci Seigneur. Pour toutes nos familles, merci Seigneur. Veille sur chacun d'entre nous. Soyez tous d'heureux messagers. Joyeux Noël!